que l'UNESCO appelle les compétences de base en écriture et en lecture. Ineptie totale. Deux tiers de ces 750 millions, ce sont des femmes. Deuxième ineptie. Des études très sérieuses ont prouvé que le fait d'avoir écarté du système productif une partie de sa population, c'est-à-dire les femmes, coûte entre 112 et 152 milliards de moins qu'à gagner dans nos PIB. Non-sens. Donc, bravo à vous, chapeau à vous, merci. Alors, on va juste rapidement faire une cérémonie de remise des diplômes. Je vais, avec on va appeler rapidement les intervenants pour les remercier d'avoir participé à la conférence. Très rapidement, un peu plus, président réseau Afrique, stratégie pour le service rendu de la communauté étudiante africaine par le comité d'organisation de la communauté africaine. Vous pouvez l'appeler s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ali Bakay, président de l'Association des étudiants africains de Sciences Po pour le service rendu. Il n'est pas là. Donc on lui remettra la prochaine fois. Mademoiselle Guy Balcalo. Elle est partie. On lui remettra. Alfred n'est pas là. On lui remettra. Ousmane Tocantalo, moi-même. Bon. Alors, monsieur Barbotem, position de développement personnel. Il n'est pas là. Il est là. Il est là, pardon. Alors, Barbotem. Donc, position de développement personnel. Merci beaucoup.
liberté pour le service rendu à la communauté sud-est. Merci beaucoup. Et le dernier diplôme, M. Henri Coupa, membre fondateur. Il n'est pas là. Merci beaucoup. Monsieur le professeur Moussa Seck, vice-président de l'Institut panafricain de stratégie. Il a bougé. Voilà. Docteur Chef Tidiane Gaïdo, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et président de l'Institut panafricain. Monsieur Bounam Guissé, assistant du président. Merci d'être venu. Monsieur Mahmoud Koubal, conseiller en communication. Bravo. Alors, chef de son directeur, à Paris. Alors, on a une petite surprise. Chers amis, qui c'est un grand Africain, un grand monsieur. Il a fait une superbe carrière à la RTS, il est directeur de la télévision, il a apporté beaucoup de changements parce qu'il était anti-dogmatique, bien formé et tout. Mais depuis lors, depuis une dizaine d'années, il se consacre au numérique parce qu'il a peur que l'Afrique ne rate encore le train du numérique. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on a une production pour lui donner 10 minutes. Il allait vous alerter sur des choses que vous connaissez bien parce que vous avez un peu de soucis, un peu mieux. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est dévoué et qui a accepté. Un des conseils que j'ai donné à mes meilleurs amis, refusez la retraite. Mettez-vous en retraite, mais pas à la retraite. En retraite pour permettre aux jeunes de passer, mais à la retraite, jamais. On a, comme disait l'autre, on a toute la mort pour dormir et nous reposer. Une dernière surprise pour le professeur. Voilà, professeur Moussa Seck. Je suis diplômé. C'est tout. Bah oui. Le respect de l'aîné. Alors, on a une dernière surprise pour le professeur, pour tout le service rendu et pour toute la gentillesse de nous avoir fait l'honneur de faire cette conférence. C'est un tableau que l'association Message et Afrique va vous remettre au nom de toute l'association et toute la jeunesse africaine d'ici. C'est où tu prends les photos là? Merci beaucoup. Où le reste du monde a besoin de rattraper l'Afrique, c'est la renaissance culturelle. Qui n'a jamais cessé, qui n'a jamais été interrompue. Tout à fait. Nous avons eu Ousmane Sow, le plus grand sculpteur de son temps. Nous avons eu les meilleurs peintres. Picasso, il y avait des Picasso africains à côté de lui, essentiellement de nos pays. On ne les a pas assez valorisés parce qu'ils étaient africains. Donc, l'Afrique, sa renaissance culturelle n'a jamais été interrompue. Jamais.
Et donc, vraiment, je suis fier de mes amis. Merci d'avoir fait ça. Merci. On va donner le dernier mot au président de l'association, Gafara. Avant de lui donner la parole, on le remercie. Je vous demande de l'applaudir. Et nous serons toujours présents à ses côtés pour aller de l'avant avec ce concept d'État unique d'Afrique. On y croit et je pense que ça peut se réaliser si la jeunesse est derrière. Merci beaucoup. Je remercie tous les intervenants. Je remercie mon frère Aboukoudou. Et je fais la présentation. Et je fais le link, lui et Cheikh Tidiane Gadio. Parce qu'il a créé une association, RAS, Réseau Africain Stratégique. Lui, il a créé l'instrument africain de stratégie. Moi et notre équipe et moi, nous avons créé les États-Unis d'Afrique qui est sorti au journal officiel à Paris le 30 mars. Donc, le combat continue. Le combat continue. Et jusqu'à l'équipe de l'Afrique sera unie. Et nous qui avons initié ce combat, demain, nous serons des instruments de l'art et nous aurons l'honneur de la passer. Je vous remercie. Inch'Allah.